أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'aimerais profiter de l'occasion qui m'est donnée dans cette cassette de pouvoir revenir sur un certain nombre d'accusations, un certain nombre d'allégations qui ont été diffusées, en particulier à l'île Maurice, sur un certain nombre des positions que j'ai tenues comme musulman, sur les références musulmanes, sur le Coran, sur la tradition du prophète. J'aimerais d'abord, avant d'entrer dans le détail de chacune de ces allégations, de chacune de ces accusations, dire une chose. Depuis le début de l'ère musulmane au 7e siècle, et tout de suite après la mort du prophète, on a dans la tradition musulmane différentes lectures du Coran. Le Coran est un et unique, la tradition prophétique est une, mais il va y avoir très très vite plusieurs lectures. La première des choses, c'est qu'il y a déjà sept lectures reconnues du Coran, mais bien sûr elles n'influent pas sur les ahkam, sur les jugements. Donc ça n'est pas ici qu'on voit les premières diversités, même si sur un certain nombre d'éléments, dans le détail, il va y avoir des diversités. Ce qui par contre est clair, c'est qu'un certain nombre de savants vont lire les textes de façon différenciée. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que les éléments essentiels de l'islam, ce qu'on appelle le usul, qui sont fondés sur les versets du Coran et les traditions du prophète, qui sont des textes clairs dans lesquels il n'y a pas de latitude d'interprétation, on ne peut pas interpréter parce que le texte est clair, eh bien, les savants, sur la base de ces versets-là, sur la base des hadiths authentiques, donc des traditions prophétiques authentiques et claires, vont déterminer l'essence des principes fondamentaux de l'islam. Et les principes fondamentaux sur lesquels il n'y a pas de divergence entre les musulmans, c'est un, le tawhid, il n'est de Dieu que Dieu et Muhammad et son envoyé, et puis, donc là, il est illallah Muhammadun Rasulullah, et puis également l'élément de la aqida, c'est-à-dire le credo musulman, et qui est constitué des six piliers de ce qu'on appelle la foi, arkan al-iman, la croyance en un Dieu unique, la croyance en ses livres, la croyance en ses prophètes, la croyance aux anges, la croyance au jour du jugement dernier, et en la prédestination, en ce qu'elle a de bien et de mauvais. Six piliers, là-dessus, tous les savants musulmans sont d'accord, pas de distinction, pas de divergence de lecture. Vient encore s'ajouter une chose, donc ces six piliers, on les trouve dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, de façon extrêmement claire, à la fin, dans le verset qui suit le verset 200, les trois derniers versets de la Surat al-Baqarah, donc la deuxième Surat du Coran. Vient maintenant également un autre registre qui est là basé sur le hadith. Notez que l'arkan et l'iman sont également basés sur le hadith rapporté par Jibril alayhi salam, Gabriel, qui vient vers le prophète alayhi salam et qui demande au prophète alayhi salam de lui enseigner ce que c'est que l'iman, et là il répond par ses six piliers, et il lui demande également Erberni alayhi islam, enseignement à l'islam, ou informe-moi à propos de l'islam, et sur cette question, et à cette question, le prophète alayhi salam répond par les cinq piliers, et dans un autre hadith, il dit Bouni al-Islam ala khamsin, l'islam est fondé sur cinq piliers. Donc les cinq piliers qui sont l'attestation de foi, qui sont la prière, qui sont la zakat, qui sont le jeûne du mois du ramadan et le pèlerinage, là-dessus, pas de divergence dans les fondamentaux, là-dessus tous les musulmans sont d'accord. Maintenant, très très vite, sur des questions de détails, sur des questions de comment on fait la prière, comment on met les mains, comment on se tient, comment on va réagir par rapport aux cultures environnantes,
eh bien, il va y avoir des divergences. Et dans les deux premiers siècles de l'islam, on va aller jusqu'à voir apparaître 18 écoles de droit différentes, qui sont liées à des savants qui ont autour d'eux des étudiants qui les suivent. Donc, en islam, des piliers fondamentaux sur lesquels tout le monde est d'accord, c'est-à-dire ils forment le corps de l'islam, et puis dans l'islam, une diversité d'interprétations d'un certain nombre de textes, d'un certain nombre de traditions prophétiques. Donc ceux qui aujourd'hui viendraient nous dire qu'il n'y a qu'une seule façon d'être musulman, qu'une seule opinion juste, et que toutes les autres sont fausses, ne nous disent pas la vérité sur la réalité de l'histoire de l'islam et de ce que le prophète A.S. lui-même a accepté dans les pratiques et sur l'interprétation des détails. C'est arrivé même dans sa famille. Le prophète A.S., il est avec sa femme Aïcha et ils sont en voyage et ce que fait le prophète A.S., il utilise les allègements donnés par l'islam. Quand on est en voyage, on peut ne pas jeûner et on peut raccourcir ses prières deux et deux et les prier ensemble. Et elle lui dit, comme c'est étonnant, tu ne jeûnes pas et je jeûne, tu pries, tu écourtes tes prières et je ne les écourte pas. Et le prophète A.S. ne lui a pas dit qu'elle avait tort, elle a choisi, elle, d'appliquer la voie la plus stricte et la plus difficile sans avoir recours aux allègements. Le prophète A.S. lui dit, Ahsanti ya Aïcha, Aïcha, tu as fait bien. Et il a reconnu lui-même dans sa pratique avec sa propre femme que ce qu'elle faisait était juste et ce que le prophète A.S. était juste. Et on sait que parmi les savants, sur ces éléments secondaires, qu'on appelle la gestion des rochas, il y a ceux qui suivent les rochas, c'est-à-dire les allègements, et les autres qui vont bil azima, c'est-à-dire qui maintiennent la pratique telle qu'elle est, même quand ils voyagent. Et les deux sont acceptés. Le prophète A.S. a accepté ça chez lui, avec sa femme, contrairement à certains de nos frères qui imposeraient jusque dans leur famille une seule interprétation des éléments secondaires. On est bien en train là de parler des éléments secondaires. Deuxième chose que je voulais mettre en évidence, c'est que vous connaissez l'histoire du prophète A.S. qui dit à un groupe de personnes, alors qu'il les envoie en mission dans le nord, il leur dit « vous ne prierez pas le Asr », c'est-à-dire la prière qu'ils avaient à faire entre-temps, vous ne prierez pas le Asr avant d'arriver à Banu Qurayza, c'est-à-dire un lieu donné. Or, il se trouve qu'ils se mettent en route, et puis que vient l'heure de la prière. Et il y a un groupe qui a dit, le prophète A.S. a dit littéralement, vous ne prierez cette prière que quand vous serez là-bas. Donc on la priera là-bas, littéralement, ils ont compris ça. L'autre groupe a dit non, il a voulu dire dépêchez-vous de vous y rendre de façon à y être avant Salat al-Asr. Il a voulu dire quelque chose qui n'est pas ce qu'il a dit exactement, mais il y avait l'intention de ce qu'il a dit. Et eux, ils ont prié. Donc, c'était l'heure de la prière, ils ont prié. Donc, un groupe a prié, l'autre groupe n'a pas prié. Et ils sont revenus au prophète, A.S., et il a accepté les deux interprétations. Ce qui a tout de suite été clair, c'est que le même texte, la même formule dans un hadith peut amener plusieurs interprétations. Ça, on a besoin de le dire à un certain nombre de frères, dont certains vont faire des formations dans le monde musulman, en particulier en Arabie Saoudite. Certains reviennent d'Arabie Saoudite comme il en est dans tout le monde occidental, ouvert, éduqué, formé, mais en même temps ouvert à ces interprétations. Et d'autres alors, véritablement obsédés par la seule lecture qui soit, c'est-à-dire la leur, et jetant l'anathème en disant à tous ceux qui ne pensent pas comme eux que ce sont des kuffars, que ce sont des gens qui ne comprennent pas, et là c'est quelque chose d'extrêmement grave, de rejeter en dehors de l'islam pour des éléments secondaires des gens qui, dans le fond, ont interprété dans le cadre de l'islam, et ne sont pas sortis des limites imparties à l'islam. Donc ça c'est une première chose, un islam, plusieurs lectures, une diversité acceptée, collectivement toujours acceptée, qui ont amené des débats entre eux. Par exemple, un autre cas où Ash-Shafi'i, grand savant musulman, est le professeur d'Ibn Hanbal, un autre grand savant, et ils ne sont pas d'accord sur un élément
la pratique, parce que pour Shafi'i, un musulman qui a dit la shahada, c'est-à-dire qui a dit l'attestation de foi, shahadu an la ilaha illallah, shahadu anna muhammadan rasulullah, il a dit j'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est son envoyé, est un musulman, même s'il ne fait pas la prière, et Ibn Hanbal, qui a pris littéralement un hadith qui disait bayna al-mar'i wal-kufri tarku s-salah, entre l'homme et la mécréance ou le rejet de l'islam ou la négation de l'islam, il y a le fait de délaisser la prière. Il a pris ça littéralement, il a dit celui qui ne prie pas n'est pas est quelqu'un qui a nié l'islam. Et ils ont un débat tous les deux, regardez, il l'appelle, le professeur l'appelle et interpelle son élève et lui dit, il paraît que tu dis que celui qui quitte la prière n'est pas un musulman. Il dit oui, je dis ça. Regardez le savoir du maître qui appelle son élève dont il a entendu dire qu'il disait. Donc il l'appelle pour l'écouter de ses propres oreilles. Il ne fait pas comme certains de nos savants rapporter des rumeurs et des allégations. Et vous allez voir tout à l'heure de quoi certains sont capables en alimentant les rumeurs. Et donc il l'appelle et lui dit tu dis cela. Et il dit, oui, je dis cela, je dis que celui qui quitte la prière, sur la base de ce hadith, quitte l'islam. Et il dit, mais alors qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour qu'il y revienne? Il dit, bah, qu'il dise la shahada, c'est-à-dire qu'il redise l'attestation de foi. Et à ce moment-là, Shafi'i, son maître, lui dit, mais il l'a déjà dit, il dit la shahada, mais il ne prie pas, alors qu'est-ce qu'il est? Et donc, Ibn Hanbal, à un moment donné, se trouve coincé, et il est dit, dans ce qui nous rapporte l'histoire, fasakata Ibn Hanbal, c'est-à-dire, il s'est tu. Parce que là, il était à court d'arguments. Donc vous avez, et vous n'avez jamais entendu Shafi'i dire de son élève qu'il était un kafir, et il a jamais été question pour Ibn Hanbal de ne pas écouter les arguments de son maître. Il a continué à penser la même chose, mais là, il y a eu un argument. Regardez la dignité de la divergence de vue en islam qui est extrêmement importante. Alors ici, c'est ce qu'il faut qu'on dise, il y a un islam, des lectures et des façons différentes d'aborder. C'est aussi vieux que l'islam et il n'appartient à personne à l'intérieur du monde musulman de dire nous avons la seule lecture, l'exclusive de la lecture juste et tous les autres sont sortis de l'islam. C'est un premier point. La deuxième des choses, c'est qu'il y a une attitude à la gestion des conflits dans les opinions, une attitude de dignité. On ne rapporte pas des rumeurs, on va vérifier ce que l'on dit, parce qu'il y a un verset du Coran qui dit فَإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا فَإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. Si un pervers ou un homme de mauvaise intention vient à vous avec une nouvelle, il faut que vous vérifiez ce qui a été dit. Et ça, c'est le minimum. Or, dans le cas précis, des textes ont été publiés, des tracts ont été distribués, qui disent des choses que je n'ai ni pensées, ni dites, en tronquant, en manipulant des textes, hélas, d'une gravité absolue. On ne peut pas faire cela. Et en plus, en se disant étudiant ou savant de l'Arabie Saoudite, et en distribuant cela, vous allez le voir tout de suite. Donc, de ce point de vue, je crois qu'il faut qu'on reconnaisse la diversité, et dans la gestion de la diversité, il y a la dignité du débat, et de reconnaître, d'étudier ce qu'une personne dit. Et beaucoup de ceux, malheureusement, qui aujourd'hui ont répandu en Occident, ou dans l'océan Indien, ou à l'île Maurice, l'idée que je ne défendais pas le véritable islam, souvent n'ont lu aucun de mes textes. Souvent, non, même pas, ils ne font que répéter ce que certains ont dit, et quand je les ai appelés au débat de venir s'asseoir et que l'on discute, les trois fois où je l'ai fait, trois fois les personnes n'avaient pas lu le texte, ne savaient même pas ce que j'avais dit, ils avaient entendu qu'on leur avait dit à la suite d'une conférence que c'était ce qui avait été compris. Donc ça n'est pas sérieux. Et les autres fois, les gens ont même refusé le débat. Donc aujourd'hui, j'aimerais clarifier, en tout cas, quatre points. Il est dit dans un texte qui a été distribué, dans un premier temps, qui a été publié sur Internet depuis un certain nombre de mois, puis ensuite repris à l'île Maurice, que j'aurais proposé une modification de la loi sur l'héritage parce qu'elle était injuste envers les femmes. Et on rapporte la chose suivante, mes propos. Tariq Ramadan propose de modifier ou d'améliorer les règles divines concernant l'héritage de la femme, qui pour lui, à notre époque, est une injustice envers les femmes et une discrimination terrible. Alors, il n'y a même pas de guillemets pour savoir où est la citation, mais on les met à la fin et on renvoie au texte et on dit, je cite,
Il dit aussi textuellement, l'application concrète et littérale des textes peut devenir, devient et, dans certains cas, est très discriminatoire. Sur cette phrase, qu'est-ce qui est dit juste après par les commentateurs ? Je cite, « Il est vraiment abominable de dire que l'application de la parole d'Allah est injuste ou discriminatoire. » Regardez comment les mots ont été changés. Je dis, l'application littérale peut devenir discriminatoire, et eux, ils commentent, il est abominable de dire que l'application de la parole est discriminatoire. Il y a un mot qui a disparu, c'est littéral. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on prend un texte du Coran et qu'on ne regarde pas le contexte d'application, l'application littérale peut devenir discriminatoire. Donc il faut tenir compte du contexte. Et qui a fait cela? Omar radiallahu anhu, dans une situation de famine, refuse et cesse d'appliquer la peine du châtiment pour les voleurs, parce qu'on est dans une situation de famine, parce que appliquer la peine contre le voleur alors qu'il a faim et qu'il peut voler pour manger aurait été injuste. Donc l'application littérale de la peine contre le voleur aurait été injuste dans un contexte et discriminatoire. Donc il cesse de l'appliquer parce que le contexte ne le permet pas. C'est exactement ce que je veux dire. Et là, des pseudo-commentateurs, pseudo-savants, changent le propos que je tiens pour le déformer. Et c'est exactement ce que l'on trouve dans le chapitre sur la question de l'héritage, où je dis effectivement, clairement, dans le passage qu'il ne cite pas, évidemment, que le texte est le texte et que je ne vais pas le bricoler, et qu'effectivement, dans une situation d'héritage d'une fille ou d'un garçon par rapport à leurs parents, la fille reçoit la moitié de l'héritage du fils. Et j'explique de la même façon que cela tient à la philosophie générale de la famille musulmane, où le garçon qui reçoit le plus, une plus grande part, donc le double de l'héritage, il a lui des obligations morale par rapport à la famille où il dépense pour subvenir aux biens financiers et à l'entretien financier de la famille, ce qui n'est pas le cas de la fille. Tout ce qu'elle gagne de l'héritage lui revient en droit et elle n'a à le donner, à le dépenser pour rien d'autre qu'elle-même. Ça, c'est dans une situation où les familles, où la société musulmane est idéale, où une fille, quand elle est divorcée ou veuve, ou quand elle se trouve dans une situation avec des enfants, elle est prise en charge par sa famille et elle n'a pas à subvenir à ses besoins. Mais l'application littérale de l'héritage, sans aucune mesure compensatoire, dans des sociétés où des femmes se retrouvent seules avec 5 enfants, où elles sont divorcées par des hommes sans scrupules, où les familles ne les reprennent pas, dans ce cas-là, c'est discriminatoire et j'appelle les gouvernements à des mesures compensatoires sur la base de l'application de ce que dit le verset pour pouvoir rester juste dans l'équilibre de l'entretien financier. C'est ce que je dis à la lumière de ce qui a été dit par ailleurs par les plus grands savants et ce que lui-même, je voulais expliquer à l'instant, Omar a fait par rapport à un contexte de famille et à l'application littérale de la loi. Donc, on s'aperçoit que, un, il ne cite pas le texte où Tariq Ramadan dit qu'il faut changer de la loi de l'héritage. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que dans le contexte qui a changé, il faut des mesures compensatoires. Donc on trompe sur ma réponse. Et plus que cela, on trompe un de mes textes en enlevant un mot fondamental quant à la compréhension de ce que je dis. Ça, c'est de l'ordre de la malhonnêteté, de la mauvaise intention. Ça n'est pas comme ça qu'on ouvre un débat entre musulmans, entre personnes qui ont étudié l'islam et qui cherchent à débattre. De la même façon, deuxième point, on me reproche de dire que quelqu'un qui quitte l'islam doit être tué selon ceux qui écrivent, et que je dis qu'en islam, il y a des opinions de savants qui disent que ça n'est pas toujours le cas. Alors, première des choses que j'aimerais dire à ceux qui pensent qu'il n'y a qu'une seule opinion, et en particulier dans certaines régions du monde musulman, parce qu'on n'a pas été exposé à plusieurs des opinions, on croit qu'il n'y en a qu'une seule qui est vraie, quelqu'un qui change de religion doit être exécuté en l'islam. Alors, première des choses, tous les savants, tous ceux qui ont étudié l'islam, savent que cette question est un élément mawda irtilaf, c'est-à-dire un sujet où qu'il n'y a pas consensus. Il y a divergence de vue sur la question. Et un savant au 8e siècle, comme Soufiane al-Thawri, a tout de suite, lui, dès cette époque-là, dit que celui qui quitte sa religion n'est pas passible de l'exécution. Alors, premier élément, ceux qui me critiquent prennent un hadith
où il est dit « Man baddala dinahu faqtulou », celui qui change de religion, tuez-le. Et il le cite en disant « Tariq Ramadan va à l'encontre de ce hadith, de cette tradition prophétique, puisqu'elle est très très claire. » Alors, premier élément, il y a un autre hadith qui met en évidence le fait que quelqu'un qui quitterait la communauté, « Tariq al-Jama'a », c'est-à-dire quelqu'un qui quitterait la communauté, son sens serait licite. On a donc deux hadiths. Celui-ci, le premier que j'ai cité, celui qui change de religion, tuez-le, n'est rapporté que par Bukhari. Il n'est pas rapporté par Muslim. Pourquoi Muslim ne rapporte pas ce hadith? Parce qu'il y a à l'intérieur de la chaîne de transmission un homme qui s'appelle Ikrima que Muslim ne considère pas comme de grande fiabilité. Donc il y a déjà sur l'authenticité, le caractère absolument indiscutable des hadiths qui parlent de tuer celui qui change de religion, quelque chose qui est un désaccord entre les savants. Et ça, il faut quand même reconnaître que c'est un hadith ahad, c'est-à-dire c'est un hadith qui a une voie de transmission, qui n'est pas de la plus haute authenticité, et quand on a des hadiths qui ne sont pas de la plus haute authenticité, et qu'on n'en a qu'un seul qui dit clairement que celui qui change de religion, il faut le tuer, il y a quand même un doute raisonnable quant à l'application. C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que, comme le relève Soufiane al-Sawri, le prophète Rasulullah n'a jamais tué quelqu'un parce qu'il changeait de religion et uniquement parce qu'il changeait de religion. Ce qui se passait à l'époque, c'est que des hommes de Quraysh, c'est-à-dire opposés aux musulmans, changeaient de religion, devenaient musulmans, prenaient des informations et retournaient à leur religion précédente et finalement n'étaient pas des gens qui devenaient musulmans ou quittaient l'islam par conviction, mais c'était des traîtres de guerre. Et là, effectivement, on parle de flemme capitale, c'est-à-dire le traître de guerre qui vient tromper, qui vient trahir ceux avec qui il dit être. Là, c'est le seul cas où on a effectivement dans la tradition et dans le rapport de la vie du prophète, quelque chose qui est lié à ça, mais jamais le prophète, n'a effectivement appliqué la peine pour quelqu'un qui changeait de religion et qui n'agissait pas contre sa communauté. Ça, c'est un deuxième point, il est fondamental, puisque le prophète ne l'a jamais fait, et que ce que les savants ont dit, c'est la réalité de la traîtrise de guerre, et qui est considéré par toutes les sociétés en situation de guerre, toutes les armées, comme la plus haute des trahisons, passible dans beaucoup de cours martiales, de la peine capitale. Troisième des éléments, dans le Coran, on a un verset qui nous dit الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا. On a un verset qui nous parle de ceux qui croient, puis qui nient, puis qui croient, puis qui nient. Donc on a quelqu'un qui a pu croire, puis ensuite nier, puis revenir à la croyance. S'il avait fallu tuer, et donc le Coran n'aurait pas fait mention du fait qu'on puisse justement changer de ce statut-là, parce qu'à un moment donné, la mort aurait été la sanction. Et là, ce que nous dit Soufiane al-Thawri, et à la suite de lui un certain nombre de savants, c'est que sur la question de la conscience d'une personne qui quitte sa religion, c'est entre elle et Dieu, à partir du moment où elle ne critique pas, elle ne trahit pas, elle n'insulte pas ses co-religionnaires, ce que beaucoup de gens peuvent faire. Est-ce que cela veut dire que c'est une promotion à changer de religion? Bien sûr que non. Bien sûr que je serai le premier, comme tous les musulmans de cette opinion, qui dit qu'il ne faut pas tuer ceux qui changent de religion en conscience, de dire, ben, il faut connaître sa religion. Quelqu'un qui change de religion, c'est souvent parce qu'il ne la connaît pas ou qu'il ne l'a pas étudié. L'islam en particulier, c'est ce que tous nous croyons. Donc il faut promouvoir la connaissance, dire combien c'est grave quand on est à l'intérieur de l'islam de le quitter. Mais quand, au bout du compte, quelqu'un le fait en conscience, utiliser un hadith non authentifié au plus haut niveau et oublier la divergence des savants sur la question qui parlaient plutôt de trahison de guerre et qui en plus de ce point de vue-là mettent en évidence l'existence d'un doute raisonnable quant à l'application, et bien le doute raisonnable doit profiter à ceux qui seraient les victimes d'une exécution. Donc il n'y a pas de ce point de vue-là à aller dans ce sens-là. Et je dis quelque chose de nouveau? Non. Ça date du 8e siècle, ça existe dans la tradition musulmane, mais un certain nombre de ceux qui sont éduqués dans une seule école de pensée sont en train de vouloir nous faire croire, ou en fait d'imposer l'idée que c'est une parole déviante. Mais si cette parole est déviante, celle que je porte à la suite de nombreux savants, il faudrait mettre en enfer, considérer comme étant sorti de l'islam tous ceux qui l'ont tenu et qui ont été pourtant respectés dans la tradition musulmane. Troisième des points qu'on trouve dans ce tract et auquel
je tiens à répondre avec la plus claire des fermetés. Il est dit dans ce tract que j'aurais affirmé qu'il est possible pour une femme d'épouser un non-musulman. Et on se rendra compte en lisant ce texte que pour la première fois, là, clairement, il n'y a pas de citation. C'est simplement, on dit ceci, je cite, il affirme que la femme musulmane est libre d'épouser un non-musulman et que son choix doit être respecté, et on renvoie à un livre. Toute personne qui reprend le livre, l'islam en question, page 188 et 189, s'aperçoit qu'on a interprété le texte et qu'on ne cite pas le texte, parce que la citation aurait montré que je n'ai jamais dit ça. Là aussi, je dis que le texte est clair et que l'ijmaa des savants est clair. C'est clair de ce point de vue-là qu'une femme musulmane ne peut pas épouser un non-musulman. Le texte de ce point de vue est clair. C'est une règle reconnue par tous les musulmans. Et c'est dû, alors je n'ai pas le temps maintenant d'expliquer tous les tenants et aboutissants, on pourra se rapporter à un livre que j'ai écrit de débat avec le professeur Jacques Nérin qui s'appelle « Peut-on vivre avec l'islam ?» où j'explique dans les questions qui me sont posées par le professeur quelle est la position de l'islam de ce point de vue-là, en mettant en évidence le fait qu'il y a toute une philosophie de la famille et de la prise en charge de la famille, de l'homme et de la femme au sein de la cellule familiale. Donc tout cela est expliqué, mais ce qui est surtout important aujourd'hui comme réponse à mes détracteurs, c'est que je n'ai jamais dit, jamais, et en aucun moment, à aucun moment, et c'est d'ailleurs ce pourquoi je suis critiqué par un certain nombre d'intellectuels en Occident en disant « ça n'est pas un libéral, ça n'est pas un moderniste parce que j'ai rappelé la norme musulmane ». Ça, c'est un premier élément. Donc, l'islam l'interdit, ceci. Maintenant, ce que j'ai ajouté, c'est que quand on a une femme, qui parce qu'elle ne connaît pas l'islam, ou parce qu'elle a décidé de son libre choix d'épouser un non-musulman, ou alors elle s'est mariée avec lui en n'étant pas consciente de l'importance de la religion, et qu'à un moment donné, elle réalise ceci quand elle a des enfants, ou quand elle veut les éduquer, ou quand simplement parce que dans son parcours, elle revient à l'islam à un moment donné, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Ce que j'ai mis en évidence ici, c'est de rappeler qu'il y a sur cette question 9 opinions rapportées qui sont différentes. Certains disent, dès qu'une femme vient à l'islam quand elle est mariée à un non-musulman, ou alors réalise son erreur, elle divorce immédiatement. C'est une opinion, mais ça n'est pas la seule. D'autres opinions ont été mises en évidence, et vous pouvez trouver ça dans un de ceux qui fait partie de ses propres références, ceux qui nous parlent de la salafiya, de la lecture littéraliste et de retour aux sources, Ibn Taymiyyah. 9 lectures différentes, et ces lectures différentes, ce qu'il dit et ce qu'il met en évidence, c'est que tant qu'elle est respectée dans sa foi, quand elle est respectée dans ce qu'elle est et l'éducation qu'elle a envie de donner à ses enfants, elle n'a pas à divorcer de son mari tant que celui-ci respecte ce qu'elle est pour le bien de la famille, pour le bien et la protection de l'union. S'il s'avérait que ce n'est pas possible pour elle de rester avec ce mari parce que c'est vraiment impossible du point de vue de la foi et de sa pratique, eh bien elle devra prendre, elle, les décisions qui s'imposent en conscience. C'est ce que j'ai mis en évidence en expliquant clairement ce qu'il en était avant le mariage et quelles étaient les dispositions à prendre et les différentes opinions après le mariage. En d'autres termes, ce passage-là d'un tract qui est diffusé par des jeunes qui sont éduqués, encore une fois, tous les gens qui ont été éduqués à la Mecque ne sont pas revenus avec cet esprit-là. Il y a un certain nombre de personnes que je retrouve à Maurice, à La Réunion, en Europe, aux États-Unis, qui gardent la bonne connaissance de l'islam et les différentes opinions. Il y en a d'autres, plutôt des jeunes, plutôt des jeunes qui, avec quelques années d'études, pensent qu'ils ont atteint la seule vérité qui soit et que leur interprétation est la bonne et que quand ils citent un verset, c'est Dieu qui parle par leur bouche. Ils sont de ce point de vue-là non pas fidèles à la tradition musulmane, ils sont musulmans, ils participent de la tradition musulmane, mais ils ne sont qu'une seule voix radicale, exclusive, et qui cherche à exclure toutes les autres interprétations. Et de ce point de vue-là, même leurs enseignants, même les savants à qui ils se réfèrent, n'ont pas agi de la façon dont ils agissent aujourd'hui. Dernier point dans les tracts avant de revenir à une conclusion plus générale. Ce qui a été mis également en évidence dans ces tracts-là, c'est toute une réflexion autour du rapport à la laïcité. Quand on m'a posé la question de comment devait agir une musulmane ou un musulman, citoyen d'un
pays et qui va s'engager dans un espace qui est dit laïque. Et j'explique effectivement qu'un musulman ou une musulmane, citoyen d'un État, comme on peut l'être en France, en Angleterre ou à Maurice, eh bien, se doit au nom de l'islam de reconnaître la pertinence et la contrainte de la loi commune. C'est-à-dire qu'il a un contrat avec la société dans laquelle il se trouve. Et on a une tradition du prophète qui dit « El muslimun inda shurutihim » Les musulmans doivent respecter le contrat. Et on a un verset du Coran qui dit « Inna al-ahda kana mas'oula » Le ahd, c'est-à-dire le contrat, vous serez questionné à son sujet. Et quand on est dans une société, qu'on est résident, visiteur, qu'on a un visa ou qu'on est citoyen, on a un contrat avec la société et on respecte la société, on respecte les lois. Et on s'apercevra que dans toutes les sociétés occidentales, toutes les sociétés laïques, il n'y a pas une loi qui empêche une musulmane et un musulman dans les fondamentaux d'être musulman. Je parle dans les fondamentaux des cinq piliers de la pratique, je parle des éléments de la Aqida. Si maintenant il se trouve que dans certains éléments de la pratique, on a des contraintes qui vont à l'encontre de ce que l'islam nous demande, eh bien il appartiendra aux savants d'apporter des éléments de réponse et d'adaptation. Ce que j'ai dit par exemple, lorsqu'en France une loi a été votée à laquelle je me suis opposé, qui était celle de dire il est interdit aux jeunes filles entre 14 et 17 ans de se rendre à l'école avec un foulard, il est évident ici qu'on a là un clash entre une prescription de l'islam, cette prescription de l'islam dont il faut dire et rappeler qu'il est interdit islamiquement d'imposer à une jeune fille de porter le foulard, mais qu'il est également, à notre sens, contre les droits de l'homme de lui imposer de l'enlever, comme beaucoup de gens, de femmes et d'hommes et de gouvernements en Europe, aux États-Unis le croient. Ils pensent que la position française est absurde, elle n'est pas la réponse au problème. Eh bien, cette position-là, elle est de dire, dans une société comme la France, qui a légiféré à plus de 90% et qui a décidé qu'entre 14 et 18 ans, les jeunes filles ne se rendaient pas en foulard à l'école, il fallait prendre une position entre la loi française et l'application de l'islam, à pratiquement l'unanimité. Ça ne fait même pas discussion. La position qui a été suivie, c'est celle que, d'un point de vue personnel, j'avais tout de suite énoncé, on respecte la loi, on va à l'école, l'acquisition de la connaissance, c'est une chose fondamentale, on a le foulard jusqu'à l'entrée de l'école, on l'enlève à l'école et on le remet ensuite parce qu'il n'y a pas d'autre choix, parce que les écoles privées, les écoles où on serait isolé n'existent pas en France, elles ne sont sans doute pas, ça c'est une opinion, la solution pour l'avenir, et c'est peut-être ce que justement ont envie de pousser les musulmans à faire, ceux qui ne veulent pas que les jeunes filles aillent à l'école, eh bien c'est une position qui dit on respecte la loi et on continue comme citoyens français de pouvoir débattre. Donc l'espace de la laïcité est respecté. Et quand on me pose la question, mais en tant que citoyen, vous respectez quoi? La laïcité, la loi laïque ou la loi de Dieu? Je dis que c'est une mauvaise façon de poser la question et je réponds clairement, au nom de ma façon de croire en Dieu, je me dois de respecter le cadre laïque dans lequel je vis. C'est cette façon-là de répondre et là, on dit dans des textes et on trompe complètement, on trompe les gens sur ce que je dis en disant je dis que la loi des hommes est supérieure à la loi de Dieu. Alors on utilise des formules qu'on ne maîtrise même pas. Qu'est-ce que c'est que la loi de Dieu? Qu'est-ce que c'est que la loi des hommes? Qu'est-ce que c'est que la loi laïque? Quand la loi nous dit la justice, est-ce que ça n'est pas pour nous justement une façon de comprendre la loi dans son inspiration divine qui nous dit soyez juste? C'est ça que nous sommes en train de chercher là. Ce serait un autre débat un tout petit peu plus complexe. Dernier élément, on dit également, Tariq Ramadan s'est opposé au texte et à la charia puisqu'il a demandé un moratoire sur la lapidation, les châtiments corporels et la peine de mort. Et là encore, beaucoup des jeunes qui ont transmis ces textes n'ont absolument pas lu le texte de référence et sont en train de tromper les gens sur ma position. Alors je la répète une fois pour toutes ici avec vous pour que vous puissiez à partir de cela comprendre de quoi il s'agit. Première des choses, j'ai dit et répété, il y a des textes dans le Coran et dans la tradition du prophète Al-Islam qui parlent des châtiments corporels, de la lapidation et de la peine de mort. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pour la peine de mort, c'est le Coran et la tradition du prophète Al-Islam. C'est la même chose pour les châtiments corporels. Le Coran est la
tradition du prophète Hassan. Et pour la lapidation, c'est uniquement deux textes qui font référence à cela dans la sunna du prophète Hassan concernant Ma'arid, c'est-à-dire un homme qui a demandé à ce qu'elle lui soit appliquée au prophète par quatre fois qui a été détournée. Et c'est la même chose pour El-Ram et Diya, qui est une femme. Donc un homme et une femme dans deux cas. Et ce n'est pas parce que les conditions étaient réunies, c'est parce que ce sont deux personnes qui voulaient se purifier d'une action qu'ils avaient considérée comme tellement impure qu'ils ne voulaient pas continuer à vivre avec, eu égard à leur connaissance de la tradition musulmane. Donc ce que je dis, c'est que les textes sont présents. Ce que je dis, deuxième élément, c'est que tous les savants, et ça c'est sans discussion, pour chacune des peines, disent qu'il y a des conditions qui sont extrêmement strictes et qu'il faut réunir ces conditions pour pouvoir penser à l'application des textes. Et l'une des conditions fondamentales, c'est le contexte de la société. Il faut que ce soit une société qui ait protégé la justice, protégé les êtres humains, qu'il leur ait donné ce qu'il leur fallait pour pouvoir justement prévenir le mal. On ne punit pas quelqu'un sans lui avoir donné la possibilité de vivre avant d'agir dans le mal. Donc si par exemple on a une société qui est une société qui promeut la justice, qui promeut qui est une société idéale, eh ben évidemment que là c'était des conditions qui étaient réunies. Mais tous les savants disent, c'est le troisième élément, eu égard à au caractère strict des conditions à réunir, ils disent ces peines sont pratiquement inapplicables. Elles ont un caractère dissuasif essentiellement. Voilà ce que disent les savants. Or, il se trouve, quatrième élément, que malgré qu'on dit que c'est pratiquement inapplicable, ce que moi j'ai dit pendant des années, et qu'après j'ai voyagé et j'ai vu, on dit que c'est pratiquement inapplicable, mais ce pratiquement est très très dangereux. Pourquoi? Parce que si vous voyagez dans le monde musulman, vous apercevez que 50 des 56 pays majoritairement musulmans ont encore dans la législation le fait de l'application de la peine de mort, que celle-ci elle est appliquée aux opposants politiques, à des gens qui n'ont pas d'avocat, qui n'ont pas les moyens de se défendre, dans des systèmes judiciaires et légaux qui sont totalement déficitaires. Deuxième des choses, on s'aperçoit également que dans beaucoup de sociétés majoritairement musulmanes, au nom de cette idée que le châtiment corporel serait quelque chose d'admis en islam, on fait silence sur les châtiments corporels donnés en public sans que la personne ait pu se défendre, sans qu'il y ait eu des avocats, et voire même on va jusqu'à accepter des dommages collatéraux, c'est-à-dire des conséquences immédiates de cela, dans ce qui est aujourd'hui la réalité des tortures et de s'en prendre à l'intégrité physique de la personne. Et encore, dans 5 pays majoritairement musulmans, on a eu des pratiques de lapidation qui sont aujourd'hui, que ce soit en Afghanistan, que ce soit au Nigeria, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit au Soudan, que ce soit... Donc on a 5 en tout cas pays dont on le sait, les autres on ne le sait pas. Et j'ai entendu des musulmans me dire, mais pourquoi tu parles de ce problème-là? Ça ne concerne qu'une minorité. J'aimerais dire, et je le rappelle, que s'il y a une injustice contre une femme ou un homme qui est faite au nom de l'islam, il est de la responsabilité morale des musulmans de s'y opposer. On n'utilise pas la religion pour perpétrer la mort, la torture, les châtiments corporels ou la lapidation. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ce que je dis en plus de cela, c'est que, au nom de ce presque jamais applicable, le presque permet aujourd'hui ces exactions dans beaucoup trop de pays du monde musulman, et que, plus que cela encore, elles sont appliquées contre les pauvres et les femmes. C'est-à-dire qu'ils sont doublement victimes au nom de l'islam, et qu'à partir d'un certain moment, on ne peut pas se taire en face de tant d'injustices, et même, des musulmans n'ont parlé de la lapidation que quand les médias occidentaux ont parlé d'un cas au Nigeria et de deux cas au Nigeria. Mais ils ne diront rien sur l'Arabie Saoudite parce que les médias occidentaux alliés de la puissance de la pétromonarchie saoudienne n'ont pas envie de dire ce qui se passe parce que ça mettrait leur allié en situation difficile. Donc on ne dit rien sur l'Arabie Saoudite dont les musulmans ne disent rien, mais ils réagissent au Nigeria parce que c'est le 9e pays le plus pauvre du monde. Et pourtant, au Nigeria comme en Arabie Saoudite, ce sont de pauvres Nigériens, Nigérianes en l'occurrence, ou de pauvres Pakistanais ou Philippins ou Pakistanaises et Philippines qui sont soumis à ça. C'est absolument injuste et inacceptable. Donc les conditions ne sont pas réunies, on fait silence, on minimise les réalités. Et ce que j'ai dit clairement, au nom des principes de l'islam, au nom des textes
qui demande des conditions extrêmement élevées. On ne peut pas continuer comme ceci et il faut que l'on s'arrête. C'est le cinquième point de mon argumentaire. Il faut que l'on s'arrête et je pose trois questions aux savants du monde musulman dans les sociétés majoritairement musulmanes. Que disent les textes? Dites-nous clairement ce que disent les textes, point par point, sur les trois domaines dont j'ai parlé, à savoir les châtiments corporels, la lapidation et la peine de mort. Deux, quelles sont les conditions respectives pour chacune des peines qu'il faudrait réunir pour l'application de ce jugement en lui-même et le contexte dans lequel ceci peut se faire. Et trois, alors ça touche directement cette dernière condition, dans quel contexte peut-on le faire? Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui dans les sociétés? Si oui, comment? Sinon, comment? Et j'aimerais qu'on ouvre ce débat parce que j'ai vu dans le monde musulman tellement de divisions, tellement justement d'expressions de doutes raisonnables, que je doute que ce soit applicable aujourd'hui de la façon dont certains le font. Donc je m'oppose et je l'ai condamné pour ce qui me concerne, ce qui s'est fait au Nigeria comme ce qui s'est fait en Arabie Saoudite, parce que c'est contre l'islam, contre la réunion des conditions minimums, et on tue des innocents, et on tue peut-être pas des innocents, mais en tout cas des pauvres qui n'ont pas les moyens de se défendre, qui n'ont pas les moyens de s'exprimer, parfois même des innocents. Et les riches, les fortunés, on ne dira rien parce que justement, eux ont les moyens de se défendre et on ne dira rien par exemple sur la peine de mort. Donc ce que j'ai voulu mettre en évidence, c'est qu'il faut cesser et ouvrir un débat intra-communautaire dans les sociétés majoritairement musulmanes et qu'il faut qu'on cesse et que dans cet intervalle de ce débat, on applique un moratoire. Et ce moratoire, il est de cesser ces pratiques et d'ouvrir un débat tant que les conditions ne sont pas là, tant que les questions ne sont pas répondues, ne trouvent pas de réponse, tant que les conditions ne sont pas réunies, c'est inapplicable. Ma position personnelle, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est pas applicable du tout. Et quelqu'un qui vient me dire, et si on réunissait toutes les conditions, je réponds comme Malik, alayhi salam, répondait à ses interlocuteurs, on lui dit, et si cela arrive? Il dit, mais ça n'est pas arrivé, j'ai suffisamment de problèmes avec ce qui est pour ne pas commencer à me poser des questions sur ce que ce serait. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas appliquées, on les applique quand même dans l'injustice la plus absolue. Voilà ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de texte, je n'ai jamais dit que ceci n'était pas dans la tradition musulmane, je dis, oui, il y a des textes, mais les textes sont liés à des conditions, les conditions ne sont pas réunies, et pourtant on applique dans la plus grande des injustices, il faut cesser ceci. Et le plus grand des exemples historiques que j'ai utilisé comme exemple est celui de, encore une fois, Omar radiallahu anhu, dans l'exemple de la famine que je citais tout à l'heure, et qui a cessé l'application parce que c'était injuste. Il a cessé ceci. Et le mufti d'Égypte, qui est allé dans mon sens dans un texte que j'ai publié sur mon site, eh bien, rappelle que dans plusieurs circonstances, on avait levé la sanction, levé l'application, pour ne pas tomber dans une littéralité de l'application qui menait à l'injustice et qui s'appliquait aux pauvres et aux femmes. Voilà, c'est six points que j'ai repris ici, point par point, et j'ai répondu à ces détracteurs en disant simplement une chose. Première des choses, la diversité en islam existe, et il faudrait qu'ils la respectent et qu'ils ne mettent pas hors de l'islam tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, tant que ce qu'ils disent est appuyé sur les textes. Et c'est ce que j'ai toujours demandé. Venez me montrer où je dis des choses qui ne sont pas appuyées sur les textes et nous débattrons où ils sont venus sans avoir lu mes textes, où ils ne sont pas venus, et je ne trouve pas ça, de ce point de vue-là, intellectuellement honnête et islamiquement fondé. Deuxième des choses, sur chacun des points, on s'aperçoit soit que je n'ai pas exactement dit ce qu'ils avaient rapporté, soit que je n'ai pas dit ce qu'ils avaient rapporté, soit qu'ils n'ont pas compris et n'ont pas rapporté l'ensemble de l'argumentaire que j'ai apporté. Toutes les réponses que je viens d'apporter sur la présente cassette sont fondées sur l'exemplarité du prophète al-Salam à partir des versets du Coran et en particulier également de la tradition des savants musulmans dans leur application et même des khulafa al-Rashidun, c'est-à-dire des califes bien guidés comme Omar radiallahu anhu. Alors, s'il y a d'autres critiques, s'il y a d'autres façons d'apporter des critiques, qu'on vienne, qu'on s'assoie, qu'on discute. Mais diffuser des tracts, publier sur Internet des textes qui sont des textes tronqués, des textes qui sont manipulés, je pouvais m'attendre à cela de personnes qui ne disaient pas leur profond attachement à la tradition musulmane qui impose l'honnêteté intellectuelle. Je suis
déçu de cette attitude, je ne dirai rien de plus quant aux détracteurs en leur disant simplement « Je vous reconnais comme musulman, vos opinions existent dans la tradition musulmane, les miennes également, vous n'êtes pas dans la seule lecture exclusive et juste, il y a des lectures plurielles, sachons nous respecter et pour tout ce que vous avez fait, toutes les insultes, tout ce que vous avez pu répondre parmi les musulmans qui me concernaient, un jour je me suis tourné vers Dieu, j'ai levé les mains au ciel et j'ai fait l'invocation de celui qui est injustement traité pour que entre vous et nous la clarté se fasse. Je réponds aujourd'hui à vos attaques en vous disant simplement une chose, je pense que vous avez ou pas lu du tout, mal lu, et que malgré vos bonnes intentions, vous avez agi dans la précipitation et parfois dans l'attaque lâche et infondée. Pour cela et pour tout le reste, devant Dieu et devant ma conscience, je ne peux dire simplement qu'une chose, dans tous ceux qui ont été les attaques qui ont été personnelles, je vous pardonne. Pour tous ceux qui ont été les erreurs dans la transmission de l'information et de la connaissance, je demande à Dieu qu'il vous agrée malgré tout, qu'il vous pardonne et qu'il vous donne dans le débat la possibilité de respecter les règles de l'islam. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiruhu wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.